Et yop là, bienvenue sur le stream. Alors, on prend ce soir du Borderlands 2, donc plus exactement le DLC de Tina. Qu'on a commencé un petit moment avec Gazou. On a juste fait quelques quêtes. Hein. Alors, j'espère que ma connexion va tenir. Ma connexion est complètement éclatée en upload. En download. En upload, heureusement, elle va bien. Mais par contre, vu que je vais host la game, j'espère que ça va aller quand même. Donc, bon, on va voir. On va voir, je regarde Gazou déjà. Hop là. Non, tac tac tac. Je vais lancer la game, continuer. C'était vous charger un autre mode de jeu. Non, normal. Ouais. Hop là. Ouais, ça me gazou. Ça biche. Ouais. Alors du coup, j'espère que ça va aller quoi. Parce que ma connexion en download, elle est éclatée, mais vraiment. Ouais. J'ai même pas 2 mégas en download quoi. Donc Ah sachant qu'une ben. DSL, c'est dans les 15 quoi, tu vois. Donc je sais pas pourquoi en upload ça va nickel. Alors j'espère que ça ira quoi, qu'il y aura pas de soucis. On va voir. On va voir, on va voir. Ah merde, j'attendais le bouton à remplir les munitions. Pareil, je t'avoue, je viens d'appuyer sur A pour. Voilà. J'avoue que pour ça, c'est. Ouais. Ça manque hein, quand même. Hein. Ah, on s'y habitue vite, hein? Ah, tu m'étonnes. Denis Colère, Initiative, ok, ramasser. Ah, mais je l'ai pas ramassé l'arme de Moxie? Faut qu'on la trouve en Ah non, fait, mais elle elle est est pas dans là, une ouais. autre zone, elle est D'accord, pas ok. dans la ville, ouais. C'est pour ça. Allez, go du coup. J'ai quoi comme arme? Un snipe, un petit SMG machin, des tarts comme ça. Sais plus ce qu'on a comme quête à faire. Il y a la quête de Moxie. Des Nicolaires Initiative, c'est quoi? Bah, ça, ah non, ça c'est. Attends, tu veux la piste de la reine? Après, on a deux trucs, hein, les échecs critiques et des Nicolas Initiative, non? Y a les pancakes aussi, Ah oui, le il est seul en pancake, forêt qu'on n'a pas chopé. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. oh, je te laisse. Je te laisse tout gérer. Elle est cool la zik. Sais pas trop si on a raté des pancakes dans la forêt ou qu'on a cliqué quand même au cas où. Non, ça. Je sais plus si c'est dans la première zone ou si c'est après. Alors qu'est-ce que j'ai moi? J'ai un AR explosif, très bien. Un lance-patate, parfait. Puis bon vieux Harold. Cool. Et où les squelettes là? Ça le suffit. Et hop là. Ouais, du coup, pendant l'an 3, j'ai pas mal avancé là, c'est cool. Hein. Je suis content. Là, tout à l'heure, j'ai Yes. terminé. J'ai fait la quête des bijoux de famille là, le Ouais. vaisseau de machin là, j'ai fait ça. J'ai fait l'autre quête après. Toujours sur la DN6, et du coup, là maintenant, donc j'ai deux fragments de la clé de l'arche, hein, il faut que j'aille chercher le troisième, mais ouais, ça avance. Ah, t'as encore un peu de chemin. Mais en tout cas, franchement, les zones, elles sont vraiment belles, hein. Ah ouais, mais pour ça, le 3, il a aucun problème, Franchement, hein. les zones, elles sont belles, elles sont diversifiées, c'est super cool, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'on avait chopé le bi, j'avais oublié. Le bruit de mes tirs vient de me le rappeler. Et les dégâts aussi, accessoirement. Ouais,
Ouais, c'est apprendre à être méchant. Hein. Yam, là. Alors, qui sont ces pancakes? A priori, il y en a dans le coin en vrai. Ouais, il y en a complètement. La quête, on la prend ou pas? Pour l'exclamation rouge, enfin, pas rouge du tout d'ailleurs, il est complètement jaune, mais. Ouais, bah on peut. Ouais. Peut-être la prendre en passant, en hein, tant qu'à faire. Hein. Ah mais c'est cette putain de fée là qui est relou là. Tu te calmes la lutine. Est-ce qu'on a grenade à singularité? Ouais, je vais mieux. Il y a des grubs bleus là en bas si tu veux. Je sais pas ce que t'as. Ah. Mère nature est en colère, attends, accepté. Hey gros, la forêt a besoin de votre aide. Et hey, vous, la forêt a besoin de votre aide. Ok, prendre la pousse, oui. Gatlingen. On dirait le robot barista du 3. Ah, du coup, j'ai eu la quête de chat, c'est ça, là, dans l'intro, là. Tu qui aimes les sports extrêmes. Extrême! Le gros débile, quoi. Elle va sauter! Vous devriez prendre un parachute. Mais non! On va faire du bet jump! On va mettre des fusées! Ouais, non, ça c'est moins bien. Ça a l'air un peu pourri en vrai. Dommage. Ouais, on va rester sur les explosions. Du coup, là, c'est. Bah, là, ça a mis le camp de bûcheron. Bon, je crois qu'il y a un pancake, de toute façon, un peu. Yep. Les poils pensent à la zone, hein, dans tous les cas. Camp de bûcheron, se doit être où il y a les orques. Eh oh, dis donc, ouais. Tu te calmes. Ah, du coup, c'est cool. J'ai vu que Stamp il a répondu OK pour le 12, donc. Donc yep. Session JDR le 12 quand ça défense. C'est ça. Ça aurait autant jamais autant marché. Ça aurait jamais marché aussi vite. Ça aurait programmé des sessions quoi. JDR, en moins d'une semaine comme ça là, putain. Ah merde, y'a Paul qui appelle, non? Bon, on fait la pousse et après j'irai le voir. Hein. Prends des coups de quoi? Paf. Et du coup, dans le groupe, qui avait déjà fait du JDR en fait? Donc, Estamp, a priori, il a déjà fait du JDR. Miquel, il en a déjà fait ou pas? Ouais. Bah, Miquel, ça faisait très longtemps en fait. Stamp, ça faisait un moment aussi, mais lui, c'était un des moins néophytes, on va dire. Yep. Et Dante, il en avait juste fait un peu, il me semble. D'accord. Et Mick, ça faisait très longtemps en fait qu'il en avait pas fait. Ok. Je vais voir Coco Lastico, j'en reviens. Je te laisse. Ouais.
Ah merde, mais faut faire des trucs en fait, escorter et moustache. Ah non, mais c'est un autre truc. Ah si, c'est moustache, ah merde. Ah mais du coup en fait faut qu'on y aille parce que sinon il va être... Bah vas-y moustache, fais les trucs. Il a l'air tout bugué moustache. Ah ça y est, il bouge là. Ah, c'est bon, il fait quelque chose. Allez, tu peux le faire. Oula! Putain, il m'a pété la gueule celui-là. Il pourrait que je meure. Non. Mais pourquoi tu fais ça? Faut pas mourir. Oui, c'est bon. Merde, j'ai plus de bras. Les moustaches. Ah merde, je regardais pas ma vie. Mais il est là, moustache. Il y a des trucs qui me font voler depuis tout à l'heure. Ouch. Ah merde. Ah, c'est celui que tu voulais taper. Je te laisse quitter juste avant. Hein. Décidément, je lève le sol. Bon, 5 sur 6. Dégré. J'adore mes pouvoirs, bah ouais, tu mets ça. Et bah voilà, c'est bon. Maintenant, vous allez vraiment pouvoir peindre avec toutes les couleurs du vent. Peindre avec toutes les couleurs du vent. Je m'en rappelais plus de cette référence à Poker and Pass. Ok, bon bah nickel. Bon, du coup, je vais voir Coco Lastico alors. Là. Ouais.
Mais il y a des gens qui me tapent. Et c'est interdit de taper les gens qui sont AFK. Et que c'est cette histoire. Bah non, c'est la base. Alors, t'es parti où, toi? Rendre la quête. D'accord. Ok. Il y a quoi comme 4 maintenant? Ou les pancakes? Ah bah tiens, il y en a un près de là où je suis. Je vais récupérer les pancakes. Où est-ce qu'ils sont? Merde, c'est là-haut. Comment pour choper le pancake qui est. Ah mais je suis coincé dans le décor. Tristitude. On fait comment pour choper le la... Il y a une cage en hauteur. Non, on peut y aller. Par un autre chemin, sûrement. Bon, pas par là, il y a un mur invisible. Comment on va là-haut? Merde, alors. Oula, Eo, dis donc, tu se calmes, toi, là. Oh mais ils sont infinis les mobs ici ou bien c'est quoi le c'est quoi l'idée? Bon je sais pas comment faire. Ça dit. Ah c'est pas BL3 hein, je cherche juste un vrai chemin quoi. Ouais mais c'est inscrit en hauteur quoi, dans un arbre. Je comprends pas comment on peut y aller. Bon, j'en ai un des trois là. Tu vas pas essayer de tirer dedans? J'ai essayé de tirer dedans, mais ça a rien fait. Attends, il y a un truc ici. Ah mais si, ok d'accord, on peut bien tirer dedans mais j'ai dû tirer un peu à côté de la tâche en fait. Et vraiment, toi qu'est-ce que tu me casses les noix? Ok c'est bon, bon je l'ai. Et je me... Oh! Merde mais Sylvanette il prend pas trop, attends ils sont où les autres? Ben, toi viens là. Ah merde, souffle. Non, c'est bon, ça va. Ok. Tina, fais-moi plaisir, tu veux? Et mange un peu de salade. Non. Tiens-lui les bras. Brick, ouvre-lui la bouche. Non, t'as le fasciste de la bouffe. C'est fasciste. Ah merde, j'ai plus de graines, putain, j'ai essayé de lui balancer des flashbangs. Ah, zut. Te laisse pas mordre trop fort, Brick. À la moindre goutte de sang dans sa bouche, on est mal. C'est tous les jours. Merci beaucoup. Ok, alors, maintenant. C'est l'heure de s'entraîner. Alors, attends, tiens, j'ai ramassé un truc pour toi en chemin, là. C'est quoi? C'est ça. Tac, à la place numéro 2824. Ah ouais.
Ouais, puis feu surtout. Et puis feu qui reste longtemps en plus, du coup. Ok. Cool, merci. Y'a plus rien à faire dans cette zone ? Je crois pas. Ok, bah. Oh, alors. L'arme de Moxie, elle est par là, ouais. L'arme de Moxie, ouais, elle va être dans cette zone. On peut faire cette quête là, ouais. Ok. Hop. Du coup, c'est quoi? C'est échec critique. Attends, qu'est-ce que j'ai là? Hop. Ouais, la mousse, c'était pas tout testé, mais... Vas-y, quoi qui m'a défoncé comme ça, là? Et merde. Merde, moi aussi. Ah, c'est bon, c'est bon, on souffle. Tout va bien aller. À chaque fois, tu peux être sûr que chaque fois que j'active ma compétence d'action, je crève dans la foulée. Vraiment cool les coffres en cette zone. Enfin dans le DLC d'ailleurs, plus que dans cette zone. Si vous voulez. Oh. Ça va être désagréable. Ouais. Non mais dors Paul, arrête. Il est à fond. Papa, n'est pas là, papa. Je suis occupé. Ah, c'est une catastrophe ce soir. Bah c'était juste. Attends, 2 secondes. Les grands, c'est plusieurs fois qu'il passe du coup, il doit aller voir passer. Oui, bah oui. Avec des dégâts incendiaires, voilà. Ouais, mais non, mais ça va être le même problème que d'habitude. Ah si, c'est bon, ça a marché. Merde. Oups. Fumble. Tu meurs, statue. Et level up. Ah, un paladin, j'aime pas les paladins.
ils s'en battent les reins de mes fastballs, c'est abusé. Ah ouais? Les squelettes brutaux, ouais. Pour le temps, dans le genre dégâts de l'espace, on fait pas mieux. Moi aussi j'ai un snipe mon pote. Tiens, voilà. À la grenade l'archer sur son super Schwartz. Bouge pas. Ouais, bouge pas. Est-ce que du cristal ils ont. Ils résistent pas mal. Ouais, on peut dire que je tape avec du électrique comme un con. Peut-être changer le. Ok, il a allumé le troisième feu. J'ai vu que c'est Amy qui l'a craqué, il l'a relancé. Ouais. Ton gif l'a beaucoup fait rire. Après, ouais, ça... C'est un peu particulier ce nouveau mode de jeu. Ouais, c'est du coup, ouais, j'ai pas vu le jeu par contre. Bah, c'est une sorte de BR sans vraiment l'être parce qu'il n'y a pas le côté PVP dedans, quoi. Mais en gros, t'as une zone, tu arrives dedans à Welp, t'as pas du tout de talent, d'armes ni quoi que ce soit, tu te stuff dans la zone. Petit à petit, la zone rétrécit comme dans un BR. D'accord. Et tout le. Si tu chopes du loot à l'intérieur, si tu veux le garder, faut que tu l'extrais en fait. Donc faut que tu ailles à des stations d'extraction un peu comme dans The Division, dans D'accord. la Dark Zone. Ouais, ouais, je vois. Pour extraire ton matos, quoi. Et sauf qu'en fait, tu joues totalement sans les arbres de talent ni les compétences d'action en fait. Donc en fait, tu joues à Borderlands, mais juste avec les armes. Donc c'est un peu particulier, quoi. Moi personnellement, Borderlands, s'il n'y a pas les compétences d'action. Ouais, c'est bizarre du coup. Là, du coup, c'est vraiment. C'est FPS pur, quoi, finalement. Ah, bah oui, c'est ça. Bon, ça a un côté intéressant, effectivement, parce que t'es obligé de faire avec ce que tu trouves, quoi. Mais, ouais. Mais bon, c'est plus trop Borderlands, quoi. C'est un noob killer. Ah, attends, j'ai un petit level à passer. Moi, j'en étais où de mon bazar? Ça, c'est bon. Ouais, c'est vrai que c'est un choix particulier, on va dire. Alors, échec critique, ça se passe par où? Ça se passe dans... Ah, mais c'est pas très loin. C'est par là aussi, ouais, je crois. Ouais.
Mais du coup, enfin tu mets ton perso, il est level combien? Il est level 1 ou c'est un perso level plein Non, ben et... c'est au level où tu y vas, quoi. Là, D'accord. le Nick, il était niveau 65, donc niveau max, Ouais. en KO 11, donc c'est au niveau où tu y vas, quoi. Ok. J'ai fait Je un. Juste un? Tu parles d'un échec critique. Le terme technique, c'est cafouillage. Comment tu peux ne pas réussir à ramasser un flingue? On dirait que l'arme vous échappe des mains et atterrit beaucoup plus loin. Hein? C'est la règle, Mordi. Lucas, mon poussin, retrouve le flag et relance les dés. Ok. Oh bah. On va chercher l'arme, hein, écoute. Putain, c'est la série des fumbles, ça commence là, ça y est. C'est ça. Ah, d'ailleurs, j'espère que Rolfin il sera quand même plus gentil la prochaine fois, hein, parce que tu es au Ouais, secours, quoi. c'est abusé, quoi. J'ai rarement vu autant de malmoules sur des jets Ah, de le nombre de fois où j'ai lancé genre 9D, je fais 0, tu te dis, mais c'est pas possible, 0, quoi. 9D. Ça, c'est 5 plus, mais quand même, quoi. C'est vrai que c'est quand même assez vénère 5+, malgré tout, quand Bah, tu clairement, hein, penses clairement. à quoi. Un. Échappe à nouveau des mains par mes gardes, mais prends le temps de vous briser tous les doigts au passage. Vous subissez genre un tas de dégâts. D'accord, toi t'as pas morte. Non, j'étais un peu loin. Mais en plus, c'est moi qui l'ai ramassé là. Non, c'est moi. C'est toi qui as cliqué? Ah, bon, c'est pour ça alors. Mais du coup, S5 plus fait qu'une chance sur 3, quoi. Mais bon, une chance sur 3, quand tu lances 9 ou 10, normalement, Oui. t'es censé en faire quelques-uns quand même, quoi. Bon, après, la plupart des actions passent avec environ 3 succès, quoi. Hein. Il y a vraiment que les trucs un peu compliqués ou les actions en opposition qui demandent plus, quoi. Ah oui, c'est vrai que c'est dans la forêt par contre la suite, faut qu'on retourne à la zone précédente. Et l'autre quête, elle est où? Elle est là ou pas? On s'est barré. Denis collé dans ma jambe. Non, on revient. Ouais, non, ça c'est la quête principale en fait. Ouais. Ouais, du coup, on va terminer. Elle est où? Elle vaut plus. Elle est plus bas, elle est un peu perdue au milieu de. Ah ouais. The Forest. C'est vers l'arbre adolescent de mémoire. D'accord. Un peu de drop dans le bide et hop. Ah. Victime de plus. Il a fait la fiesta avec les frangins? Non, même pas, mais... Ok, dernière chance, on Au taquet, quoi. Ouais. C'est quoi ces conneries? Contre toutes les lois connues de la probabilité, là, se transforme en monstre Ce serait géant. Avec des épées à la place des mains. Oh, désolé. Ok. Désolé, 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 désolé. Le monstre meurt et laisse échapper. Une arme. Une arme, ça veut dire j'ai ramassé. Oh, et puis
rien à lancer. Bon, c'est officiel, je hais les dés. Impetueux Grit. Petite SMG électrique. Moxie en plus, accessoirement. Ah oui, mais je crois. Attention, sol glissant. De quoi ça, sol glissant? Je crois qu'elle est, elle est un peu facétieuse, cette arme de mémoire. Arrête de volter partout, la lutine, là. Aïe. Pourquoi tu me tapes comme ça? Je sais pas, je testais la nouvelle arme pour voir. D'accord. Non, juste pour que tu saches, tu peux me faire du dégât. Hein. D'accord. Ok, contrairement à moi, oui, parce que j'ai un perk qui fait que... Et c'est, je vois pas pourquoi j'étais des dégâts, mais... Mais t'aimes bien, du coup. Oui, dans un sens, j'aime bien, c'est vrai. Pas tout le temps, hein, mais... du coup, là, les pancakes, on est bon. La quête de Moxie, c'est good aussi. Bon, oui, on peut suivre la... C'est principal, du coup, hein. Ouais. De toute façon, les prochains pancakes, c'est dans la mine. Putain, elle me lâche pas la lutine. Attends, je vais pas tirer dessus encore. Ouais, c'est du coup, je vois un point rouge qui te suit. Qui est amoureux, je crois. Ah, puis là, les gros, ils ressortent encore et ils commencent à me gonfler, là. Coup de pelle. Ah mais clairement. Oli, bim. Au dodo. Non, parce que là ils vont en plus parler fort forcément. Des gosses. Ah, mais là, ils arrivent avec une tablette pour imprimer des trucs, t'es à Star-ci, quoi. Bien sûr qu'on va imprimer à 10h15 du soir, t'es... C'est bien connu que les imprimantes, c'est silencieux, quoi. Bah oui. Bon squelette. Paf. Ah merde, putain, j'arrive à arrêter mes putains de grenades, quoi. J'ai pas encore eu d'effet là de sol glissant. Ah bon, voilà, sol glissant, je suis par terre, mais. Je vois rouge. Personne n'y croyait. Comme c'est... Bon, t'es en train de taper ça, alors que ça sert à rien, mais d'accord. Ah, mais pourquoi ça me. Ah, je crois qu'elle m'est tombée des mains. C'est. Ouais. Voilà. C'est ça, ouais. Le côté facétieux. En effet. Ça, elle fait mal ma besace maintenant qu'il y a de la dynamite accrochée dessus. T'as assez de ces caisses, les squelettes brutaux. Et t'es gros, toi. Viens, fais dodo. Oui, je le savais. Aïe. Qu'est-ce qui fait mal comme ça? C'est les squelettes mages, là, ils sont relous. Ceux-là, en plus, ils se TP. Faut arriver à les attraper entre deux TP, c'était chiant.
En plus, ça aurait pas pour l'infini, là, non? J'ai un peu l'impression qu'il y a... On est en train de se taper un pop de l'infini. Ah merde, putain, j'ai oublié de lui enlever son épée à lui. Bidi. Zidik. Eh merde, mais je suis pas au bon endroit. J'ai zappé une étape. Eh, je sais pas, moi je suis. Oui, non, mais je crois que c'est toi qui as raison. Moi je suis déjà à l'étape d'après en fait. Là. Je t'avoue que je suis bêtement le marqueur. Hein. Suivez-moi, vite. Alors, la pièce de reine. Encore un cul-de-sac, on n'est pas en veine. Ça me revient maintenant. Pour le prochain combat, faut que Roland soit là. On fait mieux de faire une pause en l'attendant. Arrête. Roland ne va pas. Oh, j'ai une idée, j'ai une idée. Le gardien dit. Encore des grippes. Oui, orc. Faites venir le chevalier blanc, lui. Chevalier blanc. Ouvrir la voie. Ça tombe bien, je sais pile où il est. Point de passage. Point de passage. Ok, bon bah, parti. Trouvez le chevalier blanc. Trouvez la reine. Des grenades. Impeccable. Oh, finalement, on a bien fait de nettoyer tout à l'heure, au moins on est peinard. Hein. Où est-ce qu'il est le chevalier blanc? Soudain, vous apercevez le chevalier blanc devant vous, dans toute sa splendeur et sa magnificence, l'héroïque! Roland, as a white knight. Aïe! Ah, il y en a un autre. Le sorcier doit mourir! Bien joué, chevalier! T'es le bi, c'est n'importe quoi! Le kish à la grenade, c'est ça? Non, non, mais le shield là qu'on a chopé. Ah oui, ouais. Et puis qu'amplifier les tirs tant que t'es plein en fait. C'est abusé comme c'est fort.
D'habitude, ce fight, il est un petit peu chaud quand même. C'est toi la meilleure, gamine. Je te revaudrais ça. C'est quand même un peu bizarre. C'était un beau combat, petite. Ce serait un honneur de me joindre à ta quête. Roland ne parle pas comme ça. Il parle comme ça quand c'est moi qui fais sa voix, meuf. Ouais. Allez, c'est Henri qui se fait appeler meuf. Yo Bilou. Eh meuf, j'étais monté dans un dirigeable pour chercher la reine, mais quelqu'un l'a descendu en flamme. Oups, désolé. C'est que ce débile qui explose le dirigeable. Non. Bah oui. Enfin c'est nous du coup. Oui. Plus belle femme de toute l'histoire, de toute la vie. Elle a des jambes. Des jambes à t'en faire un cache-nez. Elle a des jambes à t'en faire un cache-nez. Désolé, je repensais à ses jambes. C'est complètement ravagé, quoi. Eh, hey, chevalier blanc, go! Oui, quand même! Porte magique! En route vers le château là, j'ai même pas fait attention. Bah du coup comment ça Bilou? Cet endroit. Le bosquet de la vitalité. C'est de là que viennent les racines de l'arbre de vie. L'arbre détient toutes les magies du monde, bonnes comme mauvaises. C'est forcément là que s'est rendue la reine pour annuler le maléfice du sorcier. Cool. Mais la reine, elle est pas là. D'après ce que je lis, nous pourrions annuler le maléfice nous-mêmes avec un rituel tout simple. Donnez-moi les fruits, nous allons annuler le maléfice et retrouver la reine nous-mêmes. Vas-y, on va faire ça. Ouais, on a toute confiance en toi quand tu parles comme ça, Daveline. C'est ça. La force d'annuler le maléfice. Jeté par le bon, oh, l'intelligent. Stupeur. Zut, je crois qu'on s'est fait. Le beau sorcier. Coucou, c'est le beau sorcier. J'ai enlevé vos barrels il y a encore 3 jours. Oh là là. La vache, il est disparu. Ouais, mais le bi, quoi. Là, c'est le combo bi. Bi Harold, là, c'est. Pff, c'est. Ça devrait pas exister, en fait. Mais en réalité, le beau sorcier depuis le début. Rebondissement. Mais c'est n'importe quoi. On est sur un bon, son arrière. Aïe. Eh, hey, c'est à moi ça. Ah zut. Elle est où la teuté du roi là? J'arrive pas à la choper. Ah merde, mais t'es en train de tomber. Ouais, en train de chercher des gens à taper. Ah, elle... ah putain. Tiens, il y a la tête du roi qui vole, faut la shooter quand elle est plus sur son corps en fait. Sinon on tombera jamais. Zut. Ah mais j'ai oublié que j'ai mis la tête de Jack.
Les horribles sirènes. Oui. Terrible, pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. Ah merde, t'as les comptes pas les immortels. Okay. Merde. Et arrête de résister, toi. Bon, tu vas le down ou... Bah je le down, mais ça l'a pas. Et après du coup, faut s'arrêter la tête, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, sinon il revient à l'infini en fait. Ouais. Alors attends, j'ai ramassé un snipe dans la foulée, mais je pense que ce sera pas forcément... Ouais, il est pas élémentaire, mais check quand même. Ouais, j'ai un LM à 1004, ouais, donc trop bien. Bien. Donc, si vous cherchez la reine, elle est prisonnière du sorcier. Vous allez devoir passer par la mine des nains pour rejoindre. Chapitre 2, alliance avec les nains. C'était pas pour très bien. Il y a plein de grenades. Mode de classe sirène, mais... J'ai comme un truc ça. Oh putain, ouais, il me fait peur ce con. Je m'en rappelais de celle-là, j'attendais de voir ta réaction. Il m'a foutu complètement les miquettes quoi. Je m'attendais tellement pas. Attends, j'arrive. Ah, puis pour le coup, il me fait vraiment peur. Hein. Un défi de plus au compteur. Ah bah, ok. Ah, j'adore. Je ne sais pas, j'ai pris une explosion sortie de nulle part. Bon, en même temps, il me restait genre 2 PV. Estelle l'a installé. Ah, d'accord. Il y avait la chérie à Charlie qui a installé BL2. Ils vont s'y mettre certainement aussi. Ah. Il va bien, Carlito, d'ailleurs. Tu as eu des nouvelles récemment ou... C'est un moment qu'on s'est pas vu, là, mais peut-être demain soir, il y a moyen. Yep.
Efika, 10 secondes là, je vais répondre à un truc. Oui. Ah merde, putain, je suis con. Ouf, c'était pas gagné. Il va mourir, non ? Oh, les dragons, là ! Celle-ci. Bon, relou. Oh, ah. Ça l'a pas compté ? Ah oui, d'accord. Never cut a deal with the dragon. Alors. Divine à l'infini, non? Ça, ouais, on dirait bien, ouais. Ouais. Je crois qu'il faut qu'on rentre dans la mine, là. Ouais. Ah, bah. Je te tiens. Ah, merci. Gentille petite sirène. Bien. Vous avez commencé à le sang? Délicieux cuisson. Comme c'est gentil. Comme c'est gentil. Ok. Ouais, je vais coucher les bras. Ah, les mines sont favoris. Ok, c'est bon. Alors, petit point à mettre aussi. Tac. Alors, ça fait quoi ça? Hier soir, on était blasés. J'étais chez Pablo. Là, on voulait se faire. Il a chopé la Master Chief Collection de Halo, là. Ouais. Sur PC. Et on était partis, nous. Très très naïf que nous sommes pour se faire une soirée à l'ancienne en mode split screen canapé, tu vois. N'a pas. Et non, c'est pas petit bâtard sur la version PC en tout cas. Il y a pas non. Vous en faites pas les gars. J'ai du charisme. Attends, je sais même pas, j'étais
Ah, il y a de moins en moins un truc là, c'est vraiment triste quand même. Mais en plus, le pire, c'est que c'est une fonctionnalité qui existait sur la version console. Oui, en plus, c'est un truc qu'ils ont enlevé. Ils l'ont enlevé, quoi. Alors, ça y était plus sur Halo 4, effectivement. C'est vrai, ils l'avaient enlevé vraiment même sur la version console. Mais les anciens, ils l'avaient, quoi. Du coup, on a fait ça à l'ancienne en se passant la manette, quoi. Mais là, c'était pareil. Ah, ouais, c'est moins rigolo, quand même. C'est rigolo, j'ai bon souvenir à l'eau quand même. C'était... Puis on a fait, on a attaqué à l'eau Reach, je l'avais jamais fait. D'accord. J'ai dû faire que le 1 et le 2, je pense. Bah moi, on avait fait le 1, 2, 3 avec Pablo à l'époque sur la Xbox. Et en fait, c'est tout. Parce qu'après Halo 4, ils avaient enlevé le split screen. Et moi, Halo, c'est vraiment typiquement le jeu que je joue. Ouais, tu peux jouer en multi. Ouais. Et par contre, j'avais jamais fait Reach et, ni ODST d'ailleurs. Ouais, j'ai vraiment dû faire que le 1 et le 2, je crois. Bouge pas. Ah, j'aime bien Halo. Puis j'aime bien le lore en plus qui va avec et tout. Oh. On peut découper lui. Il y a bien de ses coups de hache. Oh, s'il m'a coupé ouais, en deux. Ouais, les orcs qui déconnent zéro. Ouais. C'est affreux, mais voilà. Ouais, j'étais en train de recharger. Et mourir ? Non ? Je voulais. Ouais, merci. Mais ça rend une seigneur de guerre. Non. Ah putain. Faut pas les laisser évoluer, les seigneurs de guerre, hein, sinon c'est ingérable. Là, c'est déjà chaud. Là. C'est vrai que je lui fais zéro dégâts. Ah ouais, non, quand ils évoluent, c'est infernal. Ah putain, il a encore pris un level. Et on fait comment pour les empêcher de la level? Il faut leur mettre beaucoup de dégâts, mais vraiment beaucoup. D'accord. C'est juste des sacs à PV, quoi. Faut les slaguer, leur tirer dessus avec ce que t'as de plus gros. C'est des boss, quoi. Putain, j'ai encore pris un level. Cool. Alors, je vais partir sur quoi maintenant? Ah oui, j'avais parti sur ça. Les chances d'obtenir des greux quand je tue des méchants. Pour jamais manquer de grenades. Exactement, pouvoir spammer les greux comme un débile. Un pancake. Ah, c'est peut-être... Est-ce qu'on en aurait pas raté? Attends, je vais revérir. Ah, oui. Ce serait dommage de se devoir se retaper. Oui, la zone. La zone ici pour. Tu es où la map? Ah, c'est bien possible qu'on en ait laissé en fait. Oh, quoique. Pas dit en fait, non. Non, c'est RD. Ouais, bon, dans la suite de la mine. Bon, ouais, il y en a que deux, c'est bon. Pour l'instant, là. Je crois que c'est ma zone préférée de tout le jeu, ça. Les mines, non? Ouais. Juste pour les quêtes qui s'y passent, le délire permanent dans cette zone. J'ai trouvé des nains, petite sirène. Ok. Et le pancake.
Ah, mais d'accord, ouais, ici, il y en avait bien là-bas en bas, du coup. Le prochain, je pense qu'il doit être un peu plus loin dans la mine. Là. Non, elle était pas dans le Borderlands 3, là. Rêve pas. C'est vrai que... Il prend vite goût, hein, quand même, à monter... Ouais, la petite liberté de mouvement, le petit rechargement de munitions rapide... Ouais, c'est ça, il y a comme des trucs sympas, hein. Ah non, mais en termes de gameplay, il est bon, BL3. Ouais, hein. Le seul défaut réel qu'il a, c'est qu'une fois que t'es arrivé en endgame... Alors t'as encore de quoi faire du ton chemin, hein, mais quand t'es au nombre d'heures qu'on a avec Nick, par exemple, ouais. Tu te fais chier, quoi. T'es allé trop loin. Hein. Non, je vais chercher le pancake. En fait, il est là-haut. La quête principale, ça doit être ici, je crois. Mais bon, après, c'est normal qu'au bout d'un moment... t'as plus rien à faire, quoi. Enfin... Bah en fait le problème c'est que t'as à faire si tu veux, tu peux tester des builds mais il y a deux raids et c'est tout en fait. Oui, ouais, c'est ça que t'es... Et puis que le merde. Nouveau contenu il n'apporte pas du coup de nouveaux raids ou de nouveaux trucs dans lequel tester tes builds en fait. Voilà. Ah, je suis devant un portail qui est fermé, je sais pas comment faire. Oui mais c'est parce que c'était où je suis la quête, je pense que le pancake on ne peut pas y avoir accès. Pour l'instant. Ouais, faut qu'on débloque l'accès là d'abord. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient laissé que deux raids, qu'ils n'avaient pas mis de nouveau pour le pour season pass justement. Peut-être qu'ils vont en prendre un nouveau, mais c'est vrai que c'est les seuls contenus endgame où tu peux aller tester tes builds, quoi. Donc, c'est le principe, quoi. Si ton build arrive à passer le raid en difficulté max, c'est qu'il est viable, quoi. Mais, ouais. Lui mets un pain. Hein. Si je lui parle, on peut. Mon poing dans la tronche. Regarde la gueule des nains. C'est tous des Salvador. Et voilà, super le RP Brick. Maintenant, on se retrouve avec les nains qui sont vénères. Maintenant, on va devoir se battre contre eux si on veut sortir d'ici. Est-ce que ça prend tes nains? Je dois subir les sarcasmes d'une gamine de 13 ans qui prend la voix d'un vieux type. Moi, je vous l'avais dit qu'on aurait mieux fait d'attendre Roland pour jouer, hein. C'est lui qui a la meilleure stat de charisme. Négociation avec les nains. Je lui mets un pain. Merci, mais lui mets mon. C'est tout qu'en plus il joue la sirène, Brick. Oh. Et puis effectivement, maintenant, du coup, tous les nains sont là derrière. Ça. Quel talent. Attends, va pas si loin, copain. Reviens. Il faut absolument qu'on fasse la quête de ce PNJ qui est là sur le pont. Ah. C'est une obligation. C'est un trait du chemin. Il peut peut-être nous aider à sortir d'ici. Moi, je propose qu'on lui parle. Avec des mots. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Oh la vache. Magnifique. Oh non! Encore un groupe d'aventuriers bien décidés à se débarrasser du beau sorcier. Vous n'y arriverez pas, vous savez. Soit vous mourrez, soit vous finirez asservi. Et je ne peux décemment pas vous laisser continuer votre quête présomptueuse. Vous ne passerez pas. Ah. Bon bah, je crois que si. Merci. Salut. Attends, faut qu'on aille chercher le pancake, non?
T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Vous serez mort. La sortie est fermée par la magie des nains qui ferment les portes. Magie des nains qui ferment les portes. Alors, comment on sort d'ici maintenant? Vous savez, ce magicien s'y connaît peut-être en magie des nains qui ferment les portes. La magie des nains qui ferment les portes. Mais bah, au fait, du coup, je suis en train de penser, Simi qui joue un nouveau mode de jeu, c'est qu'il a fini, il a pris le Season Pass 2 finalement alors. Oui, 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 il a craqué. Ouais. Attends, j'ai le magicien. Il doit avoir une quête secondaire d'ailleurs, Claptrap, c'est sa secondaire qu'il faut absolument qu'on fasse. Ouais, mec. J'en ai justement trouvé une l'autre jour, mais je vous la dis pas. Vous avez qu'à trouver la vôtre. J'adore ce truc. Hey! Oh! Cool! On dirait le symbole pour la lettre P. Une lettre de trouver, plus que 3. Il te reste encore beaucoup à apprendre. Le sorcier m'a mis en garde. C'est la barbe qui fait l'homme. Écoute donc. Là, voilà, qu'on fasse cette quête. Les robots ne peuvent pas avoir de barbe. C'est super établi. Si tu me rapportes des poils de barbe de nain, j'aurai l'air hyper élégant. Tu pourrais juste me tirer sur les nains pour leur voler leur barbe. Mais tu risquerais d'abîmer le poil. Alors à la place, on va plutôt les pousser à se donner la mort. Touche les nains avec le binousotron, soulève-les et dirige-les vers du matériel de mine. Ça va être moralement douteux. Incroyable. Hop, c'est bon là, le grognozel là. Yes, c'est bon, on n'a pas besoin, on fait plus la quête maintenant, on n'y touche plus à cette quête. Parce que ce qui est important, c'est l'arme qu'elle te donne. D'accord. Regarde un peu, enfin quand on n'aura pas des golems qui veulent nous tuer à toutes les 10 secondes. L'arme de quête, c'est le grognozel. C'est la best arm slug du jeu, il n'y a pas mieux. T'sais. Après, c'est comme toutes les armes slug. Hein. Une fois que c'est slagué, tu passes sur une autre arme. Voilà. Et c'est une arme moxie, donc les dégâts que tu infliges avec pendant que tu as cette arme dans les mains te soignent, etc. D'accord. Ouais, non, il est le grognozzle, c'est à avoir. Surtout les chances de slag qu'il a en fait. C'est à 50% ça. C'est ça. Trouve les pancakes. Du coup, on tue les nains encore ou pas? Oui. Ah bah, on a pas de choix. Je crois qu'ils vont me taper dessus. Juste pas rendre la quête à Claptrap, sinon il va récupérer le pistolet quoi. Alors, le machin était où? T'es juste en dessous ça. Ouais. Hop. Tu sais faire des trucs de plateforme. C'est la salade. C'est pas si atroce, non? Non, en effet, c'était goûtu. C'est ça le problème. C'est ça le problème. T'es en train de te tromper, je crois, copain. Ah. Mais je sais pas, parce que du coup. Ou tu remontes. Mince. Non, parce que là, du coup, les pancakes, c'est prochaine zone. Là, du coup, on doit avoir juste l'alliance avec les. Mais il faut trouver les quatre et les lettres.
Ça, faut qu'on fasse la mine, quoi, c'est tout. Ah, ah mais c'est... Boss, oh. Il s'est juste un peu agacé parce qu'on lui a mis un pain. C'est ça, bon, on a un peu one shot, mais... C'est qu'il était fragile en même temps. Honnêtement, le mec, il est roi des nains, il prend une patate, il explose, il y a un problème, quoi. C'est pas nous. Franchement, je pense qu'on leur a rendu service. Ouais. Les nains, tous les mêmes. Je crois que les nains que j'avais le plus kiffé en Heroic Fantasy, c'était dans Eragon. Je sais pas si tu les as lus, ces bouquins. Non. J'avais vraiment kiffé. Il les avait super bien rendus, l'auteur. Un fourrier. Wow. Se calme. Oh. Il m'a écrasé, lui. Et j'aime pas trop les gens qui m'écrasent comme ça. Mais arrête de me sauter dessus. Surtout quand ça fait super mal. Hein. Non mais... Et relou. Et merde. C'est bon? Ouais. Tu les slack déjà, toi, avec ta phase? Oui. Ok. Oui, je mets à total. Ah, je viens de marcher dans le feu, dis donc. Quel con. Putain. Je suis loin. Merci. Ouh, une grenade explosive. Bon, elle a l'air un peu moins bien que celle que j'ai. En même temps, mieux qu'une fastball, c'est compliqué. Oui, tes grenades, elles ont l'air calme, monstrueuses. Quoi. Ah, la fastball, c'est n'importe quoi. Par contre, c'est mono-cible, en fait. Ouais. Elle fait des dégâts de l'espace sur une cible. Casse pas trop la tête. Ah bah celui-là j'allais dire. Du coup faut que je me suicide, c'est ça? Tina, je crois bien que ton saut est impossible. Ok, autant pour moi. Je te le rends aussi. Et moi j'y vais avec le grog nozzle dans les mains, tout va bien se passer. Oh non, j'ai raté zut. Voilà, lui, il sort là. Oups. Ah.
T'es trop fort. Ah non. Ah du coup t'es bloqué en dessous. Bon bah je me suicide à toutes. Oh putain, il était à pire que le point de passage. Bon j'arrive. Tiens bon Bennett. Ah, on embrouille lui. Ok, bon, on a bullet sur 4. C'est un moment qu'on a pas croisé un coffre à D. Ah bah je viens d'en voir un. Ah. Et il y a un pompe violet dedans. Peut-être te faire c'est plaisir. Dépend s'il fait des explosions. Non. Bon, dans ce cas... Hey, il est pas vilain lui, non? Tu le veux pas? Lequel? Avec Maliwan, là. Bon, on n'a pas le niveau encore, mais... Quoi, mon snipe, moi, il fait... 4 et quelques... Au pire, je peux l'essayer, on verra bien. Tina, tous ces nains ont la tête. C'est le fait dehors. Ça m'a l'air un peu. Oui, oui, je sais, c'est bon, tu trouves ça raciste, j'imagine. Demande à Sal en bas s'il trouve ça raciste, lui. Hé, hey, ça alors. Ça t'ennuie si tous les nains de ma campagne vous attrangent. C'est trop cool. Ouya. Oh merde, sur ma grue pile à côté. Ils sont en train de se battre contre les orques. Il y a quand même un golem en haut. Il y a un gros steak là-haut, ouais. Je te laisse laguer. Ah, mais il va se tuer dessus, tiens. Bonjour, monsieur le golem de fer brutal. Ah, oh, zut, c'est même pas moi qui l'ai eu. Ah non! Vas-y, j'ai plus de munitions, tiens. Ha!
Ouais, du coup, si je peux te faire des dégâts, merde. Les grenades que je mets au sol qui font les dégâts sur la durée, tu peux te les prendre ou pas? Oh bah, je suppose que je prends tous tes dégâts, oui. Putain, comme c'est fort. Je me remets full life avec une fastball quand j'ai le grog nozzle dans les mains. Eh, hey, reste là, toi, j'étais en train de te tuer, là. Ah, merde. Merci. Il y a les nains brutaux qui ont décidé de... Ouais. Que j'étais leur... leur stand à base jump. Les nains brutaux, ils font mal, hein. Font mal. Oui. Ils déconnent zéro avec leur marteau, là. Ah, bah merde, c'est pas moi qui l'ai eu. C'était corrosion. Je suis en train de vider mes balles, moi, par contre, là. Hop là, full life, une grenade. C'est trop bien ce flingue. Bon, par contre, tu titubes un petit peu quand tu t'en sers, mais... Aïe. Ouh, les balles. Ben, sniper Jericho encore, mais Koro. Ah, c'est pas mal, c'est Koro différent, et puis en plus je peux le mettre maintenant. Sur contre eux, ça va être pas mal le Koro différent. Bah, quoi que non, le mieux serait Flamme en fait, entre eux. Ils ont pas d'armure. Pour mon corps audif, ça marche aussi. Oui, en plus pour les golems aussi. Non ouais. Ah oui, c'est vrai. Une code processing. Vous retrouvez nez à nez avec un casse-tête de nain. Pour le passer, vous allez devoir faire carburer votre matière grise. Non, pas ça. Non, pas la matière grise, non, Tina, pas la matière grise, non. Moi, je m'en fous, je fais des trucs, j'actise tout. Vachement un Rubik's Cube ton truc. Un truc à faire pour de vrai ou je crois, mais c'est pas sûr. Bon sang, j'ai horreur des casse-têtes. Moi, je veux casser des trucs. Il y a le casse-tête antique. Voilà. Tu voulais qu'on résolve le casse-tête? On va dire que ouais. Je suis pour. C'est la lettre E. Allez, plus qu'une. C'est moi qui ai la dernière lettre, les nazes. Et avec la puissance du sorcier qui coule dans mes veines, vous ne l'aurez jamais. Il va te défoncer, Glouton. Il y a un coffre ici.
Je sais plus comment on monte pour y accéder. De l'or contre des balles contre de l'or. Je suis sûr que vous en trouverez l'utilité dans la face d'un orc. Hein? C'est un petit peu le boss, ça, quand même. Oh, si peu. Je suis trop fort. Vous entrez dans l'antre de Gloutodon le nain. Le sorcier lui a lavé le cerveau pour le convaincre de régner sur la mine. Vous remarquez aussi des globes magiques chelous. C'est peut-être ça qui rend Gloutodon si méchant. Dans mon antre, vous allez crever. Club magique chelou. Je vais te montrer qui c'est, la brutasse. Un combat de boss. C'est parti. Combat de boss. Il est un peu gros quand même, monsieur Gloutodon. Non, mais non, c'est pas... Non, arrête. Sois pas si soupolet, c'était pas nous. Ah, déjà, c'était... En plus, c'était... On a pas fait exprès. Oh là là, putain, le... Slag, Harold, V... Ça... N'importe quoi. Ils ont un petit peu... On les a un peu vaporisés, quand même. Un chouïa. C'est quoi, cette arme, là? Un flingue qui fait 2030. Bon travail, vous avez trouvé toutes les lettres. Maintenant, retournez voir Claptrap. Faut qu'on refasse tout le trajet à pied. C'est abusé. Ok, poulette. Voilà. J'ai rajouté des portails qui brillent pour vous, les gros flemmards. Tu nous as traités de calamars? En tout cas, moi, ça me donne faim! S-E-P-T, c'est ça qu'on doit remettre dans l'ordre? Ce serait pas 7, c'est 7, j'en suis sûr! Non, c'est le code secret. 7? C'est pas ça le code secret? Oh bon sang, je viens de comprendre. Bah vas-y, dis-le. Bon, c'est... Paix. Quelqu'un a dit paix? Merde! Oh, non, c'est trop jeune comme blague! Encore tout gâché. T'as encore tout gâché. Ouais, pourquoi on arrive au château? Voici ce que je vous propose.
par ici. Si vos flingues étaient magiques, ce serait un peu votre mana. De l'or contre des balles contre de l'or. Attends, je fais un petit AFK, je vais me chercher un café. Oui, oui. Et j'en profite pour tester vite. Un petit speed test là pour voir où s'en est ma connexion. Ok, donc là, elle est revenue normale. Elle est revenue normale. Ah non. Là, je vais me prendre un café aussi, en fait. Je vais me prendre un café aussi, mon gazou. Yep, là. Et hop là, j'étais parti aussi me chercher un café du coup. Bon bah ma connexion est revenue normale. On va faire un petit test là. Hop. C'est la neige. Ouais, j'en sais rien, vraiment. Pas bien de neige pour l'instant là. Enfin c'est un peu plus haut mais. Et ouais, t'es bien la rue tout à l'heure. J'espère que du coup, ça va pas refaire comme il y a deux mois là où ça. Obligé d'intervenir je sais pas où là pour que ça revienne mais bon merde c'est pas ça que je vais faire oh, putain, de quoi allez et bon. Hop tac. Voilà, ça, c'est bon. Ça, ça dégage. Ok, c'était merde. Voilà, ici. Hop, alors, 4, 12, 2001, et il est. Portrait. Voilà, comme ça au moins. Je peux fermer ça, je peux fermer ça. Et c'est reparti.
Alors, projeter une destination, c'est quoi? Rejoindre la forteresse des dragons et libérer la reine. On arrive déjà au château? Non, il y a encore des trucs. Oui, on arrive au château. T'inquiète, il reste encore de quoi faire. Oui, j'imagine bien. Oh bah non. Oh, la vilaine chair déchirée. Oh oui, oh oui, ça va faire mal. Merci encore. Enfin, j'allais voir s'ils ont communiqué un petit peu là, sur le... C'est ça, le Warhammer, le Vermintide, mais univers 40k. Là. Ah ouais, ils vont faire un Vermintide 40k. Ouais, ouais. Et en plus, c'est le studio qui a bossé sur Vermintide. Quoi. C'est Warhammer. Ça va être un shooter, du coup. Pas ça, du coop 4 joueurs encore. Et du coup, oui, je pense, sera plus, plus ambiance, bah, du coup. Un peu à l'alien, enfin pas alien, mais. Mmh. Oula, qu'est-ce qu'ils font là? T'as comment ça s'appelle? C'est Waram. Ah, j'ai bouffé le nom. Je sais plus. J'étais sur Cirque Bouillon. Yo, oui. Pourquoi t'es revenu aux deux? Alors en fait, parce que. Une blague. Non, le 3, je continue. Le 3, je continue. J'aime bien le gameplay. Par contre, clairement, ouais. Les blagues, elles sont. Enfin, je trouve moins drôles, quand même, clairement. Elles sont quand même bien forcées, les blagues. Et c'est souvent à base de prout et de. C'est dommage, quoi. C'est dommage parce que. Parce que clairement, les zones elles sont super classe, le gameplay il est trop cool. Et effectivement, ouais, faut pas trop écouter ce que disaient les gens, quoi. Enfin, les PNJ, quoi. Merde. Et du coup, en fait, le 2, en gros. J'ai rejoué au 2 avant le 3 parce que bah, j'ai jamais fait les DLC, en fait. Et notamment le DLC de Tina que j'avais vraiment envie de faire. Et du coup, bah, avec Gazou, on a refait le mode normal, enfin l'histoire principale. On est en train de faire Tina, qui est vraiment excellent, quoi. Oh, la tristesse. Tiens, tu vas pouvoir me dire, Willy, il s'appelle comment le Warhammer? T'es le Warhammer Vermintide dans l'univers de 40 000, sur lesquels ils bossent les mecs de, bah, de Fat Shark, justement. Bon, j'ai regardé tout à l'heure. Ma CG, elle est dans les recommandés sur. Sur Cyberpunk, je pensais vraiment être dans les bas. Et c'est bon. C'est dans le recommandé, c'est pas dans les hauts, hein. Mais oui, c'est bah, ça, quoi. Évidemment. Je devrais au moins pouvoir le faire tourner, quoi. Nice. Ah, ça me faisait vraiment flipper cette histoire. Ah oui, c'est ça. C'est Warhammer Darktide, ouais, exactement. Mais ça, c'est bien pour moi, dis-donc. C'est ça, Darktide. Ouais. D'accord. Je regarderai. Ça peut être rigolo. Ah ouais, non, vraiment, le trailer, il a envie, quoi. Ah, tant qu'il y a un inquisiteur dedans. Bon, même si le trailer, tu vois pas des gameplays, hein, tu vois juste... Ouais. Un peu l'ambiance du truc, quoi.
Mais bien violente. Ah oui, bah ça va être une boucherie, je pense. Hein. Un grand coup de bolter. Ça. Et tu vois, en gros, dans le trailer, tu vois une horde de voitures. Imagine le petit groupe qui avance un peu, qui se retourne, et là, qui voit une nuée de bestioles. De Marines du Chaos. Et ouais, vraiment, j'ai complètement envie d'y croire, vu que c'est Fat Shark qui est aux commandes. Vu que Vermintide, c'est quand même vraiment méga cool. Hein. Et c'est cool, au moins, ça va faire un nouveau jeu à jouer à 4. Hein. C'est jamais bien, en fait, les jeux coop avec 4, je trouve, c'est un bon format, quoi. C'est bien, j'aime bien, moi, la coop. En tout cas, pour ce qui est du multijoueur, j'aime bien la coop. Ah, c'est clair. Hein. Le format que ça prend. PVE, j'aime vraiment bien. Pareil. On est en train d'avancer trop vite, je crois. Là. Ah ouais, enfin, pour la quête. Ah merde. Et il fait quoi, une enquête sur Sir Bouillon? Bah du coup, Cyberpunk, a priori, je vais peut-être y avoir accès, mais je suis pas sûr que le jeu m'intéresse plus que ça. Je pense que j'ai regardé et plutôt voir des gens qui y jouent, et puis je crois que ça m'ira bien. Ça, je vais le saigner. Ah oui, non mais toi forcément, c'est complètement ta cam, donc. Par contre, c'est la blase, il sort pile le jour où je reprends le taf. La journée, je vais être intapté. Faut pas faire qu'il me fasse chier. Ah, ça va être long, hein. Il sort. Chier là, il y a Cyberpunk qui m'attend là. Oui, il sort jeudi prochain. C'est rentré chez moi. Ah, c'est le jeudi qui sort, c'est ça, le 10? Ouais, c'est ça. Bah, j'espère au moins qu'il va sortir dans la nuit, que je pourrais lancer le DL en partant. Ouais, pour l'avoir le jeudi soir. Ouais. Ça, le soir, je rentre et c'est parti quoi. Et je trouve ça trop bien les gens pressés comme ça, je suis pareil, je trouve ça génial, j'ai l'impression d'être un mot manuel à chaque fois. Alors ça me le fait aussi clairement. Alors après moi j'ai aussi un autre problème, quand les jeux ils m'intéressent trop, après j'ai tendance à vouloir regarder tous les trucs, tous les guides, les machins que je peux trouver, et c'est horrible quoi. Ça... Ouais, moi j'ai réussi à me tenir sur Cyberpunk justement, j'ai rien regardé du tout. Tout mais après ça c'est plus une fois, enfin, une fois que je commence à jouer quoi. Quoi, battons-nous? Parfait. Je m'apprêtais à le slaguer, mais impeccable. C'est certainement le dernier membre de mon ancienne bande qui m'a trahi. Évidemment. Taïyu, le ninja loot. Et après, oui, bah, c'est clair qu'il y a forcément des jeux qui me le font aussi, quoi. Le jour où ils annoncent Diablo 4, par exemple. Regarde ce que je vois là-bas. Comment on y va? Je crois que je prends mes rêves pour des réalités, là. Ouais, voilà, un peu. Mais c'est vrai que là, du coup, bah, moi, la fin d'année, il n'y a rien qui me hype vraiment. Le truc qui m'intéresse le plus, bah, c'est fin de semaine prochaine, il y a une ligue PO qui va être sympa. Enfin, pas une ligue, un event PO sympa sur une semaine. Ça, je pense que je vais le faire. Oh! Voilà, bon, bah, comme ça, en fait. Je suis pas au bon endroit, en fait. Je crois que j'ai fait du caca. Ah, et quoi, j'ai fait combien? 9. Bon bah voilà, c'est pour 4 boucliers verts. Youhou! Et du coup, à Willy, en fait, moi l'idée là, c'est bah, toute la fin d'année, je pense que je vais bourrer pas mal Borderlands 2, Borderlands 3. Et bah, je jouerai peut-être jouer à Destiny 2 du coup en janvier. Ça me paraît pas mal comme ça.
Ouais, bah en fait, j'ai récupéré. Tu sais, ils ont fait une grosse mise à jour, remise de reboot, machin et tout, là. Et en fait, du coup, j'ai une clé qui me file accès à un peu tout de ce qui a été mis en place, là. D'accord. Une nouvelle saison, un nouveau machin. Du coup, je vais peut-être en profiter. Est-ce qu'il y a eu justement, bah, lui, il est ultra fan de Destiny 2. Elle est où là? Tu vas me faire craquer avec tes conneries là. Ah bah c'était elle est là. Ouais non, j'ai pas repris en plus la nouvelle version Steam là et tout. Moi, je suis encore là. Bah, de toute façon, je crois que t'es obligé de passer sur Steam, il me semble, pour. Oui, mais bon, ça me fait chier. Moi des deux, je l'ai un peu épuisé. Ouais. T'as 687 heures à Willy. Ouais, joli. Joli, joli. Je pense qu'ils ont toujours pas changé ce qui me posait le plus problème sur D2, donc. Ouais, qu'est-ce que t'aimais pas, toi? Ce qui m'a fait arrêter D2, c'est le forcing pour t'emmener sur le PVP et sur le Gambit, en fait. Ouais. Parce que si tu veux te stuffer, il y a un moment où les seuls contenus possibles pour toi, c'est les raids. Et donc, où il faut vraiment avoir un groupe en vocal et tout le merdier, ce que j'avais pas. Ou le PVP, quoi. Et en fait, tu avais un système de quêtes journalières à faire pour gagner des équipements puissants, ce qu'ils appelaient des équipements puissants à l'époque. Et tu avais là, à peu près un quart, si ce n'est la moitié des quêtes de ces trucs journaliers là, qui étaient Inquiété du là-dessus, hein. PVP ou du Gambit, quoi. D'accord. Ça commençait à me gonfler, j'ai aucune envie de faire ni du Ouais. PVP ni du Ouais, mais Gambit. je te comprends. Bah là, il y a Willy qui dit qu'apparemment ça va mieux maintenant que les saisons, il y a moins de loot, c'est cool. Mais vu le PVP intégré au forcing, ouais. Retourner voir Sœur Machin là. Et tu le vois quelque part, Sœur Machin? Ah, tu l'as vu? C'est celui qui nous a donné la quête, là, faut repartir en arrière en Ah fait. oui, mais d'accord. Oh. Mais qui s'est me penché là? Au rapport, bon bah ça ce sera à rendre à Torg à la ville du coup. Je suis en train de me battre contre la terre entière là. Ok. J'arrive, sois fort. Je suis un petit peu loin. Non mais c'est moi, je sais pas trop pourquoi j'ai. Et par contre, il a l'air d'avoir un bouclier pété là. Il est où Jean-Michel? Ils sont même deux. Oh mais vas-y. Mais. Après, le gambit avec les copains, c'est vraiment bien. Ouais, bah oui, mais toi, tu jouais en groupe, donc forcément, c'est cool, quoi. Ouais, moi au début j'avais Pablo et Charlie qui jouaient avec moi, puis petit à petit ils ont lâché le jeu, je me suis Ouais. retrouvé un solo dessus. Alors, il y a un moment j'ai réussi à m'amuser quand même, hein, un bon moment d'ailleurs, hein, mais à force, ouais, ça devenait un peu chiant. T'as pris le Ouais, bouclier, là, qui traînait, là? le bouclier qui traînait. Bah là. Ah. Question 1. Tiens Ouais, sur mon un petit premier dégât. confirm du shield. Ah, puis le bill, il est juste monstrueux en fait pour Ouais. cette route. Non, mais du coup. Non, là, je préfère garder le bill pour l'instant. Mais ils tirent vite en fait les archers.
Quel con. À qui le tour ? Ah ouais, mais ils déconnent zéro les sorciers là. Ouais, mais c'est des brutaux. Hein. Ah, tiens, tu peux me relever ? Merci. Merci beaucoup. Mais ouais, mais du coup, je pense que Destiny 2, j'irai faire un tour du jeu pour voir. Ah, mais là-haut, là. Cool, hein, Destiny, de toute façon, toute la phase. Ouais, mais ça, je pense, pour le coup. Ah, je vais mourir, je pense. Tout, ouais. Évolution. Si tu peux revenir. Même en tout cas, le début du endgame où tu commences un peu à te stuffer et tout, non, moi, je trouvais ça vraiment cool. C'est très aimable. Ah bah attends, il y a des points à mettre là. Enfin, j'ai un point à mettre. Alors j'ai quoi ? Ah non, ouais, très bien ça. Lightning Bolt, l'ancêtre du nucléaire. Régénère lentement les grenades. Ah ouais. Ah mais bon, c'est de l'électrique. Vas-y, prends-les si tu veux. Je sais pas si elles peuvent te servir. J'en ai qui m'attendent au niveau 34. Ouais, je sais pas, moi j'aime bien le. J'aime bien les flammes là. Ouh, ma série. Mmh. Et les pognons. Ouais, mais je pense que c'est Cyberpunk que j'irai souvent essayer de mater. Bah si tu veux... Ah mais tu vas peut-être pas le streamer si tu joues. Ah ça m'étonnerait. Je pense que l'ordi va peut-être brûler quoi. Pas pouvoir. J'arrivais déjà pas à streamer Metro Exodus alors à mon avis Cyberpunk je vais pas trop y croire. Ouais, ça va être trouver quelqu'un que j'aime bien qui le stream pour y jeter un petit coup d'œil. C'est là. Et j'y pensais pour jouer avec Mick, il aurait fallu, acheter le JDR Bordin. Oui. Ah, lui, j'ai peur qu'il n'y ait jamais de trad FR. Ouais, contre, je pense pas. Je sais pas pourquoi, mais. On n'avait pas trop de soucis avec l'anglais, mais tout un manuel de JDR. Oui, c'est vrai. On dirait que j'ai la flemme. Ouais, quoi. Non, purement et simplement de la flemme. Oh, j'ai crevé aussi. Mince. Ah, ouais. Ils sont où les petits bâtards là. Tu vois, là, puis en plus, c'était plus pour le délire parce que moi je suis pas persuadé qu'il soit spécialement bon ou. Oui, bon, ouais, enfin, après, voilà. Moi je pense que clairement, ça va être faire du Borderlands. Tu prends n'importe quel système générique et puis, c'est parti ça. Quoi. Ah, mais je vais encore mourir, c'est relou. Les flammes là. Une combinaison unifugée là. Ah non. Ah mais il est brutal, c'est pour ça qu'en fait il fait mal. Hein. On va te relever. On trouvera des bouts de la face sous mes ongles. Méchant humain. Le Fipérion.
Ah mais j'arrive pas à les viser. Il y a un sorcier brutal là qui se bat. Bon bah voilà, on a fait le ménage, c'est cool. Ils sont calmés, je peux passer mon level. Ah mais en fait ma grenade elle me fait aussi des dégâts finalement. Ça met un truc de feu au sol mais... Ah oui mais les tout ce qui est greux, lance-roquettes, ça fait des dégâts. Ouais. Hein, ah, j'ai juste posé, pardon. J'ai cru que c'était un... Bah attends, c'est bon, ça t'attend automatiquement. Je pensais qu'il y avait un escalier en fait, pas du tout. Du coup, il y a un énorme dragon qui va arriver. Hein, qu'est-ce qui va se passer? Attendez. Ah bah voilà. Dubstep en fond. Le dragon du début de la campagne approche. Ah putain, si je mets toutes mes greux dans le vent, ça va pas le faire. J'ai l'impression que vous avez besoin d'aide. Je vais faire revenir. Pas trop non, ouais. Ah, c'est plus du gros. On l'a dépouillé, le dragon, non?
Ah ben, Chouya, je lui ai pas fait grand chose. Bon, je te l'ai slagué, tu l'as shooté au snipe et ça a bien fonctionné. Ben, le pognon. Ouais, des grenades de feu. Ah bah, c'est la... d'accord, c'est les. C'est même que les autres. Okay. Okay. Vous tombez dans un chaud moisi et vous avez honte de vous être fait berner aussi facilement par le sorcier. Bonne chance pour vous enfuir de mon cachot, crétin. Crétin. Bon, alors, comment on retourne en ville? Vous pouvez pas, vous êtes pris au piège. Et moi, je voulais faire des quêtes secondaires et tout. Que je vais faire des quêtes secondaires? Je crois. On pourra peut-être nous dire comment sortir. On va la trouver alors. Tina, dis. Tu peux pas juste nous faire tomber dans un piège comme ça. Il faut nous laisser une chance de l'éviter quand même. Désolée, je pensais pas que vous iriez aussi loin en une seule partie. J'ai pas vraiment de plan pour la suite. J'improvise au fur et à mesure là. Oui, mais d'après les règles. On dirait moi. Hyperion se fait tabasser par 6 personnes pour cracher des infos et tu viens me parler de règles. Ouais, surtout qu'on va pas au bon endroit, mais. Simon. Bonjour Simon. Mais c'est bon, on a remonté, tout à l'heure. Attends, du coup, la quête de Simon, on l'a... Ah merde, mais je l'ai pas... Ah putain, je vais même pas aller voir Sir Gallo pour le butin, bon, c'est pas grave. Ouais, il y avait rien de très intéressant, ah. C'est à rendre à Torg en plus en ville. Ah bah oui, c'est vrai. Et le feu mon frère, c'est où qu'il faut le faire le truc là? Oh mince. La porte est fermée. Oh non, pas des puzzles. Une seconde.
Mais, hey, oui, il y en a une qui me colle dessus là. Je la vois pas. Ah. Elles vont super mal les araignées en pêche. Hein. C'est à chaque fois qu'elles touchent, elles empoisonnent et bah, je vais être seul là, comme un con. Ouais. Debout, debout! Il y a encore du monde à buter! Merci encore. Du coup, où est-ce qu'on veut? Il y a un pancake là-bas. Ah non! Oh! Ah, les gars! Ouais, j'ai pris le pancake. Pour ça, le prix. Eh merde, ah je vais mourir et elle est morte. Du coup je vais... Bon. Eh, dis-moi qu'il y en a une qui m'attaque, s'il vous plaît. Bonjour, je vais me faire attaquer par les araignées. Ah, cool, merci. Je passe pas où, je passe pas en bas. Là, je suis un peu perdu dans cette zone. Je l'ai toujours été. Je sais plus trop. D'ailleurs, faut peut-être mettre la quête des pancakes si on veut pas en rater, parce que... C'est pas faux. Ça se trouve, on en a déjà raté. Ouais. Ouais, j'ai bien l'impression. Ah. Ah. C'est aller voir si on peut rattraper les pancakes ou... Ce sont là, c'est fermé, donc on peut pas aller plus loin. Là, il y a une échelle pour remonter. Et le trinité. Ouais, peut-être qu'on peut échapper à celui qui est là-bas. Hein. Ah, il était là. Faut le prendre au passage. Ah. Bah attends, il y en a un autre là-bas, par contre. On va télécharger l'autre là-bas et puis on ira rechercher celui-là après. Alors, et celui-là, par contre, il est en haut. C'est l'inverse. Eh bien, sauf qu'on peut... Si, on peut monter. Non, on peut pas monter. Non, on peut pas utiliser les... Merde. Pour l'instant, certainement. Bon, bah, faut y penser plus tard. Et l'autre, ouais, faut le prendre à la volée. Tu te laisses faire? Vas-y, on va fond. Ouais, bon, non. Ok. C'est bon, je l'ai. Mais tu l'as vu du coup. Vas-y, tu peux remonter. Hop. Ouh. Bon bah voilà, et bah du coup on peut remettre la quête du machin à mon frère, blablabla. De mon frère. Toujours bloqué. Bloqué par là.
Et on peut monter par là ou pas? Ah oui, on peut monter. Ouf, waouh. Aïe. Je vois des aiguilles qui font du bien. Tu es près d'une des piles de cadavres. C'est facile. Il te suffit de. Il est là, Edgar? Non, on ne dirait pas, non. Il porte une couronne, sinon. Bon bah, t'as qu'à les retuer. T'as qu'à les retuer. T'as qu'à les retuer. Juste être sûr qu'il est bien mort. On faisait tous les deux la cour à une duchesse, elle l'a choisi, je l'ai buté, blablabla. Enfin bon, faut qu'il se retrouve, mais une balle dans la tête. Sauvez-moi. À l'aide. Ah ouais, j'adore ça. Ça, c'est ce que je préfère dans les jeux vidéo. Voilà. Oh non, oh non. Aïe, pourquoi? Ok. C'est quoi, si on actionne le truc? Ah, c'est pour peut-être pouvoir arrêter le... Ouais. Un piège. Les mecs qui nous, ouais, nous canardent depuis là-haut en fait. Ah, les rogues. Je te tiens.
Mais c'est un brutal, lui, toi. C'est quand même vraiment pratique de pouvoir l'élever pour... Le quoi? Je dis, c'est quand même vraiment pratique le pouvoir de la sirène, quoi. De pouvoir décoller les mecs pour les savater en l'air. Ah bah, mort. Bah, surtout qu'en plus, elle fait des dégâts monstres avec Maya. C'est ça. Alors? Bah, 6 avec 2D, quoi. Normal, quoi. Bravo. Merci. Mais des phoenix là. Oh ah, d'accord, ok. Ok, ok, le combat pour survie a duré 2 secondes à peu près. Oula, j'ai pas vu le petit bâtard derrière. Là, ils sont trop maigres en fait ces squelettes, j'ai la moitié de mes projectiles qui passent à côté. Mettre une mandale, les squelettes en armure, là, ils rigolent pas. Non, il y a personne là-dedans. Enfin, juste la troupe de scouts que le beau sorcier a écrasé par mes gardes. À sa décharge, il était sûrement hyper pressé. Tuer les cadavres. Allez, c'est reparti. Là, je passe mon temps au sol, là, c'était... Ah, il était bien, d'accord, ok. Merde.
Il y a fait l'escalade suicidaire qui arrive. 5, putain, avec 2 dés, ouais. Joli. Ow. Ah putain, mais les immortels en plus ça marche pas pour les. Oui. Pour le combat, pour la survie. Vite, 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 vite. Oh merde, il m'a. Désolé. Ouais, si bien. Alors, tuer l'immortel. Cool, les Iridium. Ah, y'a un petit bâtard qui met de l'électricité là. Oh le bâtard. Non. Bah tiens, il tank. Tank le rayon. Oh merde. Oh c'est bon, ça passe. Allez, hein, impeccable. Je suis allé en une main. Ouais, en une, je suis pas ouf non plus. L'amitié, quelle souffrance. Oh. Trébuché. J'ai ouais, je sais pas sur quoi. Mais on sent mais. Putain, mais oh, mais je prends des dots en fait, je sais pas de quoi. J'ai pas eu tout. Y'a pas une compétence à la con qui fait que ça pose épuise dans tes points de vie Non, non, non. Fais voir. Ah merde. C'est quoi? Si c'est pas toi. Bah je pense que si. Hein. Je crois que c'est quand t'as tes ailes qu'elles me brûlent tes ailes en fait. Ouais parce que je pense que je dois faire des dégâts en zone la vie. Ça va être touché. Je vais voir quand tu reprends tes ailes si. En fait toute une montagne. Ah, il y a un flingue explosif là si tu veux. Putain, il a des meilleures stats que mon Harold, mais à mon avis, il est malgré tout moins bien. Je vais essayer quand même.
Attends, on est où là? On est là. Ok. Non, mais merde. Dommage. Putain, la clique de fiers aventuriers vaincus par un piège dégueulasse dans un donjon. Ça. Non. Un crâne enflammé tout pourri. Attends, là t'as tes ailes. Alors, essaye de me coller à toi. Attends, ouais. Ah merde, mais par quoi tu as été mort? Tiens. Mais... Personne n'y croyait. Je sens tout! C'est pas, ça va aller. Le danger est étranger! T'en bouges pas? Ouais, c'est clairement toi. Ouais? Ouais. C'est pas monstrueux les dégâts, mais quand j'ai pas mon shield, en fait, je prends des dots de feu direct et ça me D'accord. fait hyper mal. Faut que je reste loin de toi. Ça doit faire mal. C'était mais où? Putain, une tête légendaire, tête de sirène légendaire. Merde. Ok. Ah zut! Oh la vache! Les skates de cristal ils font vraiment mal quand même. Relou! Des relous! Je passe mon temps au sol. Mais comme je passe mon temps au sol, non?
Là, ça picote cette zone là. N'hésite pas à utiliser le grog nozzle pour te soigner, hein, c'est hyper fort. Hein. Ouais, oui, c'est vrai que ça. Ouais. Tu le prends en main, tu leur lances une grenade ou n'importe quoi. La grenade, c'est pas mal. T'sais. Moi, c'est ce que je fais, j'utilise mes grenades pour me soigner en fait. Je prends le grog nozzle dans les mains et je balance ma fastball. Ouais. Je veux t'entendre crier. Je la sens bien, ta fessée. Ah, le bâtard, il m'a renvoyé mes tirs à la gueule. Il vient de nous dire qu'en fait il était assis sur son cadavre depuis le début, donc faut qu'on aille on retourne le voir pour aller le retuer ensemble. Ah d'accord, j'ai pris le dialogue. On peut ouvrir la porte là. Tu veux tuer qui du coup? Je sais pas, le connard qui nous a fait courir partout pour rien, non? Ouais. Les fratricides, y'a que ça de vrai. Faut qu'on cause. Merci, mec. J'ai l'âme super reposée grâce à toi. J'ai l'âme super reposée grâce à toi. Ok. Bon, alors ça. Les paniquiacs, l'autre il est où alors? On peut le choper ou pas l'autre? Toujours pas. Si, on peut peut-être le choper maintenant. Hein. Je vais aller voir. Merde, il est là-bas. Mais je vais rater le truc si je fais ça. Peut-être mieux attendre d'avoir l'ascenseur pour de vrai. Hein. Oui, je pense. Bah, cela, on pourrait éventuellement, mais. En gros, il est sur un pilier en sautant. Donc, surtout après, on va se retrouver en bas comme des cons. Oui. Il va falloir tout remonter. Donc, et bah du coup, hop, on reprend, je vais dans le jeu.
Ow! Qui c'est quoi? Je sais pas. Attends, mais... Ah bah si, il y a du brutal pour en fait. Ah mais d'accord. Ah non. T'es où? C'est bon? Ouais. C'est bon. Mais tu ne peux pas faire comme ouais, si... Ouais, c'est bien. Soudain, vous êtes interrompu par une voix au loin qui hurle de douleur. Libérez-moi. Le popinel est sensible, hein. Il lui manque, Roland. Bah oui. Puis-je vous proposer quelques balles magiques? Elle est complètement ravagée, mais elle est gentille, quand même. Tu l'as vu le shield électrique là, ou... Tu l'as essayé volontairement ou... Ah, je l'ai absolument pas vu. Il est juste derrière toi. Les dégâts de poing, c'est encore à corps. Ah oui, sympa ça. C'est vrai que c'est à moins de mettre des petits dégâts électriques, hein, un peu. Je vais essayer ces grenades Mirv là. Heart of Nightmares. Okay. Ça sent un gros boss, ça, quand même. Si la salle est circulaire, j'en reviens à rien. Très bien. Lancez les dés pour savoir qui parle. Savoir qui parle. Ah, 20, je le frappe. Non, je parle à la prisonnière. Libérez-moi. Je vous montrerai comment vous rendre à la forteresse de mon père. L'ange. Ok, pourquoi pas. Ouais, je crois que vous pouvez pas le libérer. Libre d'infliger ma vengeance sur le monde. Ah oui, il fallait la cogner. Oula, j'ai pris trop cher. Bien, mais elle résiste à ça.
prend quand même. Heureusement qu'elle a un bouclier qui le rend invincible, hein, parce que... Ouais. Ah merde, j'en ai plus. Plus de grenades, mon colonel. Ah, elle est morte. Sniper slag au milieu, là, le violet. On était vraiment obligé de la tuer comme ça, la fille du sorcier? Elle n'était pas aussi mauvaise que ce que... Mais il n'y a pas pire que la fille du sorcier. Si elle avait pas été si cruche, tout irait pour le mieux et tout le monde serait en vie. Je vous attends. Je vous attends. Ah putain, mais chaque fois je me fais avoir avec les mimiques là. Bordel, c'est la prime mimique. Mais merde, j'ai lancé qu'un dé. C'est con. Bon, ça se trouve, on fera un meilleur jet. 11. Ah. On n'a jamais fait un si gros jet avec 2 dés. Bon, du coup, on dit tant pis pour le pancake ou. Comme tu veux, je m'en fous. Ou tant pis le pancake. Allez. Dragon Keep. Oh oui, vous avez atteint la tour. Je vais pouvoir vous regarder hurler depuis mon balcon, tandis qu'on vous désosse petit bout par petit bout. Bon sang, Tina. C'est violent, ça. C'est pas moi, c'est le jeu. S'introduire dans la cellule de votre reine chérie pour la tuer. Bon courage pour faire venir votre personnage une fois votre messie transformée en tas de cendres. Oh là, hé hey. Tu n'aurais pas tué la reine sans nous laisser une chance de la sauver. Rassure-moi, Tina. Je l'ai dit, meuf. Ah, je suis cramé. Truc magique. Merde. Oh putain, ils m'ont eu. Ah. Merde, mais j'ai pas vu le... Oh. Non. Je suis vraiment... Ouais, je suis revivant. Continue à tirer. Putain, on se fait bolos là. Un peu, ouais, quand même. La douleur, c'est mon petit déjeuner. Oh là là, vache. Serpillière style. J'avoue que là, on avance avec le second souffle. Hein. Ouais, dis donc, j'ai des pertes de frame là, moi. Ah ouais. Ah ouais. La zone est douloureuse. Pourquoi? J'en sais rien. Ah, mieux, il devait y avoir un petit truc qui s'est fait entre temps. Hein. Ouais.
J'en ai eu marre d'attendre, alors j'ai dit à mes hommes de tuer la reine. Ils doivent l'étrangler à l'heure qu'il est. A plus. Ça va être désagréable. Oh. Merde. Je suis en colère. Mais putain. Ah, c'était le mien. Allez, j'ai crevé. Ouah, mais comme ils sont violents, les sorciers. Ouais. Ah bah c'était en brutal, ouais. Et match de feu brutal, ouais, c'est... Ça fait un peu mal. Putain, mais j'ai fait deux pas que je suis déjà en train de faire ça, toi. En même temps, il y a ça, Pouf et Dragon qui me tape dessus aussi, ça... Non, je ne me laisserai pas faire par le malin. Pas un que le beau sorcier. Alors, il y a de l'ado, hein. Même pas proche, je m'attendais à autre chose en vrai. Fireball devant moi. Oh putain, Nick. Fireball, dégâts 1 à 8100 et... Ah oui, c'est... Ok, très bien. très bien. C'est parti pour le beau sorcier, c'est ça? Ah, on y va à grands pas, ouais. Ah, mais putain, y'a que des imitateurs, wesh. Ah, vous voilà enfin. C'est un peu tard pour sauver votre reine chérie, mais bon... Vous allez pouvoir mourir dans d'atroces souffrances. Ouais. Et voilà, le Big Boss! Vous voulez vraiment pas attendre Roland? Je peux pas attendre Roland! Pareil bien, vous l'aurez voulu! Battez-vous! Battez-vous! Ah, il est 37 comme le beau sorcier. C'est honteux de le violer comme ça. Une deuxième phase, non, quand même, non? Oui, mais bon, même... Dans mes souvenirs, il était sacrément relou, le beau sorcier. Parce que je l'avais farmé, en plus, à un moment, lui. Et ça avait pas été une partie de plaisir, je me souviens. Ouais, tu files des trucs cool. Hein? Il a des trucs cool, potentiellement. Oh, bah, comme tous les boss du jeu, hein. Ouais, remarque, ouais. Je sais plus ce qu'il lâche. Certainement des grenades. Dans ce DLC, c'est principalement les grues que tu cherches en fait. D'accord. Et merde.
Ah, les bâtards. Le sorcier est mort. Tu es prêt. Bon, ça suffit, Tina. Vous avez réussi. On a gagné. Et Roland arriva, il était super content et tout le monde vécu heureux pour toujours. C'était cool. Enfin, arrête. Tu ne peux pas continuer à nier ce que Jack a fait à Roland. C'est vrai. J'entends pas. Ça vous dit des quêtes secondaires ou bien... Tu l'acceptes. Roland est mort. Je sais. Tu sais quoi? T'as raison. Tu peux garder Roland. C'est toi qui décides. Ouais, continue. Je crois qu'en fait, j'ai envie de savoir comment ça se termine. Merci. Alors que le sort fatal du sorcier poursuit son chemin vers le chevalier inconscient du danger, il semble évident que seul un miracle pourra le sauver. Mais heureusement pour lui, c'est justement le jour des miracles. Bim. Sanguine. Cool. Elle est là. Mais ouais. Mais ouais. Alors les gars, il vous a plu ce combat? J'attends vos commentaires. J'ai bien aimé le moment où on l'a tué. Ouais, c'était sympa. Tu t'es pile. C'était pas mal, je crois. Mais n'oubliez pas. Alors que vous enjambez les corps des chevaliers qui ont tenté de tuer la reine, vous comprenez que vous êtes au bon endroit. Car qui d'autre pourrait bien ramener la lumière sur le monde? Qui d'autre que la créature la plus belle, la plus gracieuse et la plus racée de tous? Mon dieu, qu'est-ce que ça va être? Allons-y, qui? Oh, le rôle de la reine. Je sais pas pourquoi, je suis surpris. Quel... Oh, incroyable bonté. Maintenant que la reine est en sécurité, elle peut enfin lancer le sort. Aïe, Ledge. Sur le monde. Bah, c'est pour moi ça. Elle va pour charger son sort. Je propose que vous vous fassiez bouffer. Et on irait à l'endroit du cul avec du verrier. Oui. Il fait chier du loot. Étalon du cul. Tiens, mange. D'un claquement de ses splendides sabots et du vent de sa lumière, Étalon du cul fera revenir la lumière. C'était vraiment génial, Tina. Trop bon! Je dois dire que c'était plutôt sympa. Hé les mecs, l'espion vient de cracher les codes d'accès à la base lunaire d'Hyperion. Vous êtes d'humeur à faire péter une station orbitale? À ton avis! Et c'est ainsi que les chasseurs de l'Arche et leurs petites psychopathes retrouvèrent le désert. De retour une fois de plus, dans un monde de violence et de folie, après de trop brèves vacances. Et dans les jours qui devaient suivre, ils repenseraient à leurs amis disparus, aux aventures partagées, réelles ou imaginaires. T'y allais à cet endroit dans le 3 déjà là ? Quelle que soit la situation, ils ne seraient jamais seuls. Il me semble pas. Hein. Tu regarderas bien la, sur la statue de Roland, il y a plein de petits détails à regarder. T'sais. D'accord. Et après, Claptrap a donné et a ruiné l'ambiance. Cool. Bon bah nickel, hein. Nickel. Et après dans les DLC du 2, il y a quoi de vraiment cool aussi? Celui de Torg est assez fun à faire aussi. Ok. Pas du tout dans le même esprit, mais assez drôle aussi. Vous avez vaincu le sorcier et ramené la lumière sur le monde. Vous avez bien mérité un peu de repos. Vous en faites pas pour la reine. Je me suis pas accompagné en ville. Oh, du coup, c'est bon, il est fini là, ouais. Hop là. Non, j'ai ouais. Envie.
Bon, on a nos quêtes secondaires, on en a une à rendre à... Ah oui, faut la rendre où déjà la quête? Faut la rendre à la bah, ville. Si, à la ville, ouais. À Torg. Et on peut y aller comme ça là-bas? Ah, attends, j'arrive si... Plastico, j'entends...